J'ai fait toute ma carrière chez Siemens depuis mon stage de fin d'études en école d'ingénieur. Aujourd'hui, je suis chef de projet sur l'intégration générale du Grand Paris Express. J'ai commencé par des essais en usine sur un capteur de vitesse pour le métro de New York et j'ai eu la chance d'y vivre pendant 2 ans. J'ai ensuite travaillé sur l'exploitation et la maintenance des systèmes d'automatisation de métro à Barcelone, Sao Paulo, Budapest et aux États-Unis. J'ai rejoint Siemens il y a 16 ans comme chef de projet au sein de notre activité ferroviaire Siemens Mobility. Après un premier projet, j'ai eu la chance de piloter le projet du métro de New York que l'on venait de remporter. Aujourd'hui, je suis en charge du projet d'extension de la ligne 14 qui va devenir la colonne vertébrale du Grand Paris. Mon rôle consiste à donner une direction aux équipes et les accompagner pour livrer un système d'automatisation de la ligne tout en gérant la relation avec notre client. Ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'on travaille sur des choses concrètes qui aident les gens. On voit aussi l'envers du décor. J'ai déjà pu conduire des métros, voir comment fonctionnent les postes de contrôle. Ce sont de grosses organisations dont on n'imagine pas la complexité quand on est voyageur. Le ferroviaire est un secteur passionnant. On travaille sur des projets avec énormément d'innovation et de technicité. On répond à de vrais enjeux pour la société avec des moyens de transport fiables et durables, plus respectueux de l'environnement. J'ai beaucoup voyagé durant ma carrière. Cela a impliqué de nombreuses responsabilités et je suis heureuse d'avoir réussi à allier mon métier et ma vie de famille. Dans notre activité, je pense que nous avons tous et toutes cette même passion pour la technique et le challenge. Hommes et femmes, nous partageons une volonté de donner vie à des projets qui ont du sens et qui nous font grandir. Chacun a la possibilité d'écrire son histoire et de construire son parcours. Une de mes plus belles expériences a été le projet du premier métro d'Alger. J'ai eu la chance de rencontrer des équipes aux cultures différentes. Le projet a été un vrai challenge que nous avons relevé ensemble et j'en garde un très bon souvenir. S'il y a un mot qui résume la culture Siemens, c'est l'humain. Derrière chaque projet, ce sont des femmes et des hommes qui avancent ensemble et qui font la force de l'entreprise. Alors si vous êtes tenté par cet univers, il ne faut pas hésiter, il faut écouter ses envies et n'avoir aucun regret. Ensemble.